que t'as plus rien à faire. Va t'en prendre là, puis laisse faire. T'es une de comment on t'a. On réalise encore une fois que la quarantaine, ça fait pas du bien à tout le monde. Donc bonjour tout le monde, voici l'introduction d'une vidéo non seulement triste, mais non seulement triste et aussi de mauvais goût, ok? S'il y a des images dans cette vidéo qui sont wacko, parce qu'il y a des wacko sur la planète. Je sais pas comment introduire cette vidéo, et on va pas y aller jokesy jokes aujourd'hui, ok? Parce que je pourrais y aller jokesy jokes, tu penses que je peux pas faire des jokes là-dessus? Bro, il y a un patin qui s'est mis du Nutella en face, ok? C'est ça jokesy jokes, ok? C'est ça. Pas le temps de niaiser aujourd'hui. Dernière fois, je vous ai dit, bon, c'est une question de temps avant que je sois rassis ici, à la même endroit, en train de dire que quelqu'un a fait quelque chose de stupide. Puis à chaque fois, il y a tout le temps un débat sur Mounir, qu'est-ce que tu dis qui est stupide? C'est pas vraiment stupide. C'est pas vraiment stupide qu'est-ce que cette personne a fait. Mais là, on a quelque chose de excessivement abruti, excessivement blessant et bah, tous les mots que tu veux. Il y a un influenceur, youtubeur, Thierry Doucet, anciennement connu, mettons, genre, si t'écoutais l'internet québécois à 2015 à 2016, peut-être tu sais c'est qui Thierry Doucet, mais si t'es dans l'internet québécois depuis 2 ans, pis si tu sais que je suis pas d'internet québécois, tu sais pas du tout c'est qui, si tu sais c'est quoi Nous Sommes le Web, moi c'est là que j'ai appris Thierry Doucet c'était qui, c'est quand j'ai vu Nous Sommes le Web, pis j'ai vu un fucking motherfucker avoir l'audace de dire Thierry on the mic. Yeah. Thierry on the mic, yo. Quand j'ai vu ça, je savais que ce dude était off. Quand il a dit Thierry on the mic à Nous Sommes de Web, comme s'il allait spit un fucking 16 sur le reunion song de Wu-Tang Clan, genre comme que, Wu-Tang Clan, je connais full le rap old school, j'ai fait une référence de Wu-Tang, Wu-Da-Tang. Mais anyway, Nous Sommes le Web, si vous savez pas c'est quoi, c'est genre l'émission vlog, je pense, qui a fait un segment où est-ce que toutes nos stars du web nous disaient de arrêter de leur dire qu'ils sont de la merde parce qu'on nous on est de la merde, de dire qui sont de la merde parce que eux ils sont de la merde. Mais anyway, Thierry, c'est là moi la première fois que je l'ai vu. Et récemment, changé toute sa personnalité et il est devenu un peu plus plus comme mélancolique, puis un peu plus absurde sur une quête de comme faire un contenu plus profond, puis en fait, il a découvert lui en il a découvert quelque chose, ok? Fait que sa découverte l'a amené à faire ces TikTok-là. Monsieur Thierry Doucet commence sa démarche artistique avec ce TikTok-là. Bonjour. Je suis un noir d'Afrique du Sud et j'aime le rap. Je vais pas le refaire jouer, on l'a fait jouer, tu l'as vu. Clairement, le dude s'est mis du chocolat dans le visage et il a dit « Moi, je suis un noir d'Afrique du Sud et j'aime le rap. » Puis là, tu fais comme « C'est donc ben de mauvais goût, ça. C'est donc ben dégueulasse pis décalissant qu'il fasse ça. » Il y a deux côtés à ça, là. De un, t'es comme moi pis t'es comme... Pis tu fonds dans ta chaise comme ça. T'es fâché. Puis de l'autre côté, les autres gens qui checkent ça, puis qui sont dans ces comments TikTok, puis qui le défendent, sont comme « Yo, bro, comme yo, tu comprends pas l'humour. Comme bro, tu comprends pas l'humour, il s'est mis noir. Genre, comme bro, il est noir. Tu comprends-tu la joke? Bro, il est noir. Qu'est-ce que fuck, yo, bro? Il est fucking noir, bro. » De un, pas drôle, TikTok, ok? Même si on enlève toute l'histoire du blackface, là, même si je pars dans la prémisse que t'as révolutionné l'humour, là, pis j'accepte le blackface, bro, y'a pas de joke. Y'a pas de joke, bro. Les noirs en Afrique du Sud, y'en a même pas beaucoup, pis y'en a quand même. Pis bro, tu sais, c'est quoi qui arrive avec les noirs en Afrique du Sud, bro? Qui vivent le moins bien là-bas, il y a des fucking grosses disparités économiques, bro, entre les noirs pour les blancs. On s'en bat les couilles, moi je suis blanc, moi je vis sur le plateau, big. Je vis sur le plateau, big. Qu'est-ce qui peut m'arriver, bro? Je révolutionne l'humour out this bitch, bro. Je suis en train de fucking... Tu comprends pas? Parce que c'est ça l'affaire. On va aller voir sa justification. Bon, j'ai eu beaucoup de personnes qui ont été offensées par la vidéo où que je me mets du chocolat dans la face. Personne! Qui sont offensé. Le mot offensé, c'est tellement un pire mot quand c'est valide, genre. Puis que je dis que je suis un noir. Ce qui arrive, c'est que moi, dans la vie, j'aime tout le monde. Puis qu'est-ce que ça te donne le goût de faire quand t'aimes quelqu'un? Le taquiner. Oui, oui. Le problème, c'est pas la vidéo que j'ai faite, là. Parce que la vidéo est juste complètement absurde, là. C'est innocent, là. Le problème, c'est les gens qui s'offusquent à rien. Complètement. Le problème, c'est comme... Oh, là, je te parle avec ma vraie voix. Fait comme... Mon vidéo est complètement absurde, ok? Comme, tu comprends pas le degré du mot. Donc, là, il a fait plusieurs vidéos pour s'excuser, ok? Yo, what's up, mon amour? Je fais un part 2 à propos du vidéo blackface que j'ai fait, là.
Je voulais clarifier un peu plus mes intentions à travers cette démarche créative. Démarche. Le mot est sorti enfin, il y a une démarche derrière tout ça. Dès que tu dis le mot démarche, tout le monde est supposé faire comme « Oh, t'as une démarche. Il y a une démarche artistique. » Oh, derrière mon blackface, ok, qu'est-ce que je voulais montrer? Vas-y, dis-le. Si on prend en considération que nous sommes tous égaux, ok? Si on prend en considération que nous sommes tous égaux, bitch, that's not fact, ok? Je suis tanné que le monde fasse « Ouais, mais moi dans ma tête, tout le monde est égal. » Ok? Fait qu'arrête de me dire que je suis raciste quand je fais des choses racistes, parce que profondément, au plus profond de moi, je suis pas raciste. Fait que ça m'enlève le droit, je peux plus être raciste même si je suis raciste. Puis je prends pour acquis qu'on est tous égaux, parce que moi, j'ai jamais eu vraiment à rien faire, mais j'ai tout le temps eu un endroit où vivre. Ah! C'est tout le temps ça quand on parle d'inégalité raciale. Moi, j'ai une vie privilégiée pour quelqu'un de la couleur de ma peau, puis je le sais. Mais bro, ça veut pas dire que t'es privilégié, que t'as pas le droit d'être outrage pour quelqu'un qui est complètement, complètement à côté de la plaque. Puis j'ai même pas envie de lui donner plus de plateforme parce que c'est ma fucking chaîne YouTube. Le dude, il dit que nous, il fallait qu'on comprenne, okay, qu'on est passé à travers ça. Que se victimiser puis dire que le blackface, c'est mauvais, c'est nous garder dans le passé. Mais non, bro, ça fonctionne pas comme ça. Les choses avancent pas quand toi, t'as décidé qu'ils ont avancé dans ta tête. À travers tout ce que Thierry veut nous montrer, déliter tout ça en fait de TikTok Thierry. Tu sais, puis je me dis, si on part dans la prémisse où ce que lui a eu une démarche, puis a pensé qu'il voulait enlever le stigma autour du blackface, puis qu'il allait être la tête d'affiche de ce mouvement humoristique, se mettre lui-même à la victime de tout ça, puis il allait prendre le fardeau, parce que clairement, le gars, il a une démarche, là, il a compris quelque chose que nous, on sait pas, ok? Fait qu'il se met en blackface, puis là, il fait comme, ouais, je vais déstigmatiser ça. Mais ça a pris deux jours de mauvais messages pour que tu le supprimes. Tu réalises que c'est stupide. C'est pas parce que tu fais quelque chose de Attends, j'avais formulé ça dans ma tête, là j'essaie de le dire, je suis pas capable. En disant aux gens, moi, je m'en fous. C'est toi qui te fais du mal avec ça. Moi, je m'en fous que j'ai fait un blackface. C'est toi qui réagis. Non, bro, c'est pas de même que ça fonctionne. Puis c'est pas de même que tu prouves ton point que t'aimes tout le monde, bro. Parce que si t'aimais tout le monde, tu comprendrais les traumas puis les stigmas qu'il y a autour de certaines choses qui ont été utilisées à travers des années, des siècles pour diminuer des races. Puis je suis pas là pour fucking prendre possession du black agenda puis le pouvoir le promouvoir. Je dis juste que c'est complètement aberrant, bro, puis t'as pas changé l'humour. Il y a même pas de joke dans ton shit, bro. Tu sais qu'est-ce que ça a l'air, Thierry? Puis live, je te parle juste à toi, Thierry. Honnêtement, moi, je te regarde genre à travers les dernières années, bro. Puis honnêtement, tes dernières vidéos sur YouTube, bro, t'as juste l'air triste, man. Puis je te le dis live à toi, bro. T'as juste l'air triste, bro. Puis si t'as besoin de parler, si t'as besoin de chercher l'aide, bro, écris-moi, on va parler, bro. Même si t'as fait de quoi de complètement taré, t'as juste l'air fucking triste. Mais être triste, c'est pas une excuse pour faire de quoi de blessant pour tellement beaucoup de gens. Est-ce qu'il faut que je répète encore une fois pourquoi on a pas le droit de faire de blackface, bro? C'est parce qu'à un moment donné, bro, il pouvait pas avoir d'acteur noir, ok? Puis en fait, dans la réalité de la vie de beaucoup de gens, dans ce temps-là, il y avait vraiment beaucoup de noirs parce que tous les noirs, ils faisaient les jobs que les gens ils voulaient pas qu'il fasse. Puis c'est même après l'esclavage, bro. C'est pendant la ségrégation, en fait. Pendant que les gens étaient même égaux, supposés, sur constitution avec les gens, ils avaient pas le droit d'être acteurs. Puis vous savez qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient des blancs, bro. Ils les peinturaient en noir avec des grosses lèvres, des gros mots. Puis c'était les fucking clowns dans le fucking spectacle. C'était les fucking clowns du Jim Crow era. Puis là, je parle off-top. J'ai pas fait de recherche. Mais genre, bro, des minstrel shows. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est ça du blackface. C'est là que ça vient. S'il y a pas longtemps, s'il y a moins de 100 ans, bro. T'as pas. Il dit dans son TikTok, moi, je suis dans le futur. Vous êtes pas encore là. Non, bro. Toi, dans le futur, moi, je suis dans le futur parce que j'ai vu que t'allais délire de ces TikTok, bro, parce que t'as aucune idée de qu'est-ce que tu fais. T'as juste l'air triste, bro. Puis hurt people. Tu t'assois sur le dos de l'humour parce que nous, on n'a pas compris ta blague. C'était juste absurde. C'était juste tellement absurde. Bro, pour vrai, Thierry, get something. Parle à quelqu'un, bro, parce que moi, je vois juste du hurt. Ça aurait été facile pour moi de je t'insulter, de te traiter de cave live. Ça a été de te niaiser, de te clown, bro. Mais je pense pas que c'est productif live. De dire aux gens, genre, comme, hey, bro, c'est pas comme ça que faut que tu te sentes, bro. Le problème, c'est toi, c'est comment tu te sens. Puis moi, live, j'ai pas envie de te clown, bro, parce que tu t'es clown toi-même. Genre, pour vrai, les images parlent pour moi. Ce message est pour Thierry Doucet. Get maman! Tu viens nous faire du blackface, après tu nous parles comme si c'est nous qui sommes bizarres, comme si c'est nous le problème. Non, je pense que c'est toi qui comprends pas la gravité de ton acte raciste. En plus, c'est écrit dans ta bio, je fais de l'humour du futur. Futur? Tes jokes datent de 1850. Legit. En plus, tu viens jouer les patinets woke. Guys, on est une seule race. Je pense qu'il faut arrêter de se victimiser. C'est vous autres qui prenez mal les jokes. Victimiser? Je pense que c'est toi qui joues la victime. Je te rappelle que t'as vraiment été dans le beat Nous sommes le web. Nous sommes le web. Nous sommes internet. Un beat que des influenceurs ont fait pour qu'on les prenne en pitié. Qu'on arrête de les cyber-intimider. Donc quand c'est des internautes qui
t'écris des commentaires méchants, là ça devient un problème. Là, oh, c'est moi la victime. Mais quand c'est toi qui fais des jokes racistes, sexistes, homophobes, transphobes, là c'est plus un problème. Là c'est juste des jokes. Là c'est t'es juste pour rire. Non! Non! T'as vraiment plus écrit dans tes commentaires, noir sur blanc. Ben, à la base, le N-word, c'est juste un mot. Juste un mot? Non! Y'a des mots qui ont leur signification. Si je vais devant ta joke puis je suis en train d'imbécile, ben le mot imbécile, ça veut dire imbécile, espèce d'imbécile. Ça veut pas, y a pas d'autre signification. Le N-word, c'est le N-word. You read or you did some. Tu penses que t'es un philosophe? Patnais, Platon, Socrate, maintenant c'est Thierry Doucet. You actually sound like every other edgy white boy that likes racist jokes, but I don't want to be called on for it. T'as vraiment pris ça. T'as vraiment pris du Nutella, t'as pris un scoop, t'as tartiné dans ta face comme un bail de première moisson, puis t'as posté la vidéo. Huh? You look like shit, doo-doo in a face-ass boy. Two girls, one cup, face-ass boy. When she asked, do you eat ass? Face-ass boy. T'as l'air du fat-ass boy dans Matilda après qu'il a fini son gâteau au chocolat. Face-ass boy. Mathieu, shut the f***. Thierry on the mic, yo. Le patnet a vraiment dit Thierry on the mic. Ça sonne comme un prof d'éducation physique qui sort sa mixtape. Puis c'est pour non seulement parler de ce TikTok-là, mais il y a d'autres TikTok problématiques dans le TikTok à Thierry Doucet, puis je vais le mettre live. Ça, c'est un message aux trans, OK? Quand je m'en vais au resto, OK, puis je commande une poutine végane, là, ben, je reçois une poutine végane, là. Je reçois pas une poutine avec une dick! Un pénis! C'est la même chose avec les femmes. J'ai pas envie de me faire violer, OK? C'est mon droit! C'est un TikTok vraiment transphobe, puis c'est sous prétexte encore de l'humour. Toutes les situations qu'il fait, toutes les situations transphobes ou racistes, c'est vraiment non, bro. Pour une personne trans, pour une personne qui aime une personne trans, pour des gens qui ont des personnes trans dans l'entourage, comme moi, comme plusieurs personnes, bro, c'est pas chill. C'est pas le fun. C'est pas le fun pour le monde qui sont persécutés, puis pas juste les trans, pour les noirs, pour tout le monde, de marcher dans la rue puis de penser qu'il y a du monde qui pense de même. C'est de là que ça vient. C'est pour ça que c'est pas déstigmatisé. Parce que même toi, si tu le fais à travers la lentille de l'humour, t'aimes power des gens qui pensent ça pour vrai. Puis de croire qu'ils sont pas là, c'est complètement naïf et pas derrière une démarche artistique ou comédique comme tu le prétends, parce que derrière une démarche comme ça, il y aurait un intérêt à peut-être vouloir avancer la discussion, parce que t'es capable de réaliser que la discussion, elle est pas rendue où est-ce que, tu sais, toi dans ta tête, t'es tellement avancé puis t'aimes tellement tout le monde, mais si t'aimais vraiment tout le monde, t'étais capable de prendre le temps de réfléchir à faire des choses, que tu t'allais faire des choses blessantes. Puis j'ai pas plus à rajouter pour vrai. Tout le monde est quand même, qu'est-ce que vous pensez, puis peut-être c'est moi qui trip, mais je pense pas que c'est moi qui trip. Faut que le blackface, faut que les gens qui veulent rendre ça. Non, man, fais pas ça, c'est jamais le mou. Jamais, jamais, jamais. Fait que là, la quarantaine, on a pris un autre, ok? Je sais pas c'est quand je vais être la prochaine fois, là, à vous dire la quarantaine, on a pris un autre, mais quarantaine live, c'est 3-0 contre les influenceurs. 4-0 si on compte Primo. Thierry, même si tu t'excuses, t'as fuck up pour toujours, c'est sur Internet pour toujours. Si t'as besoin de parler, parle-moi, Thierry. Je vais t'envoyer de l'aide, parce que moi je suis pas de l'aide, moi je peux t'aider à dialoguer puis à réaliser que t'as peut-être besoin d'aide, mais je pense que ce que j'observe à travers les derniers mois / années de ta présence internet, bro, t'as l'air triste, bro, pis c'est pas chill à voir, pis ça excuse pas que t'as fait de quoi tu spits, parce que je dis que t'es triste, que t'es pas un taré. Salut gens de YouTube, c'est Mounir Montage ici, Mounir Montage, pour apprendre que même quand ça fait des heures que je travaille sur une vidéo, sur une situation, Thierry Doucet vient de sortir une vidéo d'excuse où il s'excuse et dit qu'il savait pas trop ce qu'il faisait. Donc, c'est pas ça le point, il s'est excusé. Donc, juste pour donner une chance aux gens de s'excuser, je tiens à dire que sur sa chaîne YouTube, il y a une vidéo d'excuse. Donc, fair play ici. C'est complètement pas drôle, puis y a même pas une qualité humoristique à ça, c'est complètement agressif, puis tu fais peur. Tu fais peur aux gens de cette communauté. Tu fais peur aux gens de la communauté noire. Puis je suis désolé à tous les gens que tout ce que les images que j'ai mis ont pu t'offenser, mais c'est pas chill. Puis ça existe, mais c'est correct. On s'en sort. Ça va bien aller, comme dirait François. Donc, like, subscribe, fais les doses, fais les bails, reste à l'école. Merci.